Professeur Rachid Belhadj, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, augmentation du nombre de contaminations au coronavirus, les chiffres ont dépassé pour la première fois depuis le début de la pandémie et l'alerte mondiale les 300. Il y a 298 cas de contamination. Des explications aujourd'hui, professeur Belhadj. D'abord, c'est que si les chiffres sont là, il faut être toujours prudent, il faut encore parler, reparler, mobiliser tous les moyens. Ne pas sombrer aussi dans un alarmisme qui pourra nuire à notre système de santé et effectivement après la levée de confinement, c'était prévisible qu'on y ait une hausse de cas de contamination. Ce qui est nouveau maintenant pour l'Algérie, c'est que d'autres wilayas, en dehors des grandes villes, que Alger, Constantine, Oran, maintenant c'est à l'intérieur du pays, Sétif, Betna, qui sont en train de vivre ce qu'on a vécu nous, ça fait deux mois. Donc ils commencent à vivre avec le virus, et là, l'intérêt d'une solidarité nationale, une solidarité entre nos collègues et les autres structures de santé, et la mise à disposition de tous les moyens nécessaires pour gérer cette crise sanitaire, qui est une crise sanitaire aussi, elle est mondiale, n'est pas uniquement propre à la Chine. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement qu'il ne faudrait pas sombrer dans l'alarmisme qui pourrait porter à une atteinte à notre système de santé? Chaque personne contaminée, il faut la comprendre, il y a une certaine forme de panique, et la panique elle est familiale, et parfois elle déborde au-delà de la famille, elle est dans le milieu professionnel, elle est dans le quartier. C'est que heureusement, pour le moment, certes il y a une hausse, nombre de cas, de nouveaux cas, mais c'est des cas, c'est des formes modérées. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'on les traite à titre ambulatoire. Nous sommes toujours dans les statistiques 80% de formes bénignes et des autres cas, c'est des formes un petit peu sévères, mais la mortalité, on s'inquiète lorsque le nombre de décès est élevé ou bien le nombre des cas qui nécessitent des soins hautement spécialisés en réanimation intensive augmente. Notre hantise, elle est à ce niveau-là. On a peur qu'on soit débordé en matière de capacité d'hospitalisation, de prise en charge des personnes qui nécessitent des soins spécialisés, parce qu'en absence de ces soins-là, ils décèdent. Là, nous avons toujours attiré l'attention de l'ensemble de la population, qui fait faire très attention. Le virus est là, il est toujours contagieux, et c'est un virus mortel. Et surtout, s'il touche les personnes âgées, donc protéger vos êtres qui sont les plus chers, notamment les personnes âgées, les statistiques le prouvent, c'est la même chose, c'est les personnes les plus de 65 ans, c'est les personnes qui ont des comorbidités, l'hypertension, diabète, c'est maintenant c'est connu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'avec l'avènement de l'été, aujourd'hui par exemple, nous avons enregistré une hausse significative de la température, donc ces personnes-là, âgées, multitarées, deviennent encore plus vulnérables. Donc ils risquent d'être sujets à une contamination, et s'ils sont contaminés, ça va être des formes graves qui nécessitent des soins en milieu intensif. Mais quand vous parlez des capacités d'hospitalisation, est-ce qu'on a les moyens et les capacités nécessaires pour faire face à une plus grande contamination? Si cela devait se produire, on ne le souhaiterait pas, bien sûr. Réellement, c'est-à-dire qu'on est dans des structures hospitalières connues, même en dehors du Covid, durant la période de l'été, nous avons été toujours débordés par une demande importante d'hospitalisation en lit de réanimation. Là, justement, j'appelle mes collègues du privé à ne pas fermer leur cabinet, parce que si mes collègues du privé ferment leur cabinet, les personnes âgées, les multitarifs vont décompenser. Donc, lorsqu'ils décompensent, ils vont se déplacer aussi vers les unités de réanimation qui vont aggraver une situation. Il faut que notre système de santé, du public et du privé, dont je salue mes collègues du privé qui sont en premier front, de ne pas rompre cette chaîne de fonctionnement dans la prise en charge des personnes âgées et des personnes vulnérables. Mais comment peut-on évaluer aujourd'hui la situation au niveau des hôpitaux, professeur Belhadj? Chaque été, vous vous souvenez, chaque été, un programme national. En dehors du Covid, on demande aux services de maternité de ne pas libérer le personnel, on mobilise tous nos moyens de faire face aux grandes chaleurs, aux accidents de l'été. Mais durant cette période, durant cette crise sanitaire, il y a un phénomène de croisement. La Covid-19, elle est là, le virus, elle est là, le nombre
ne cesse d'augmenter, mais je dis Dieu merci, c'est des fois modéré, mais si on arrive à une situation telle que qui a été décrite et vécue dans d'autres pays de l'autre côté, ça va être vraiment difficile de prendre en charge, par exemple, de ne pas prendre en charge au CHU, l'un des plus grands CHU, si on a 20 cas qui nécessitent une hospitalisation en réanimation intensive. Là, je pense que l'État a prévu d'autres moyens, d'autres secteurs qui vont intervenir si on arrive à cette situation, une situation catastrophique, ça peut être des situations exceptionnelles, pour faire face, pour ne pas abandonner des gens comme ça, mourir devant les portes de nos hôpitaux. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, la levée des mesures de confinement, l'élargissement des activités commerciales, est-ce qu'on peut considérer qu'on aurait dû adapter de mesures différentes de telle sorte à éviter, par exemple, une plus large contamination, aller vers une plus grande sensibilisation de la population pour la nécessité de porter la bavette qui est aujourd'hui seul moyen de se protéger contre la Covid-19? Croyez-moi, nous, en tant que professionnels, nous avons constaté d'ailleurs, c'est que même en période de confinement, on n'a pas eu un vrai confinement. Les gens ne respectaient pas le confinement. On n'a pas eu un vrai confinement. C'est ce qui s'est produit à Sétif. Les gens ont organisé même des fêtes, exactement, de mariage. Nous n'avons pas cessé de dire, écoutez, il ne faut pas y aller chez la famille ou qui ont perdu un de leurs proches qui était atteint, qui est décédé suite à un corona, puisqu'il y a le risque de contamination très élevé. Comme vous l'avez si bien dit, les gens organisent des fêtes comme ça, toute impunité, des mariages, des circoncisions, des fêtes. Il y a même des gens qui ont, il y a des gens qui ont fêté le BEM de leurs enfants. Tout cela, bien sûr, augmente le risque de contamination. Ces facteurs-là vont être à l'origine, le non-respect des mesures barrières. Tous les intervenants, tous les secteurs, on n'a pas cessé de parler, reparler, d'attirer, de presque supplier. Ce que nous constatons actuellement, c'est qu'il y a maintenant, ça devient un comportement qui touche à l'ordre public. C'est un comportement qui nuit à la santé physique, morale, à l'économie, au bon fonctionnement de nos institutions, de nos concitoyens. Je vous ai dit hier quand même, on est arrivé au CHU Plimsouss, il y a un comportement violent vis-à-vis des médecins qui sont de garde pour faire face au Covid et avec destruction des biens de l'hôpital. Il faut que ces comportements cessent. La même personne qui ne respecte pas les règles de barrière, si cette même personne, lorsqu'elle ramène son papa ou sa maman ou l'un de ses proches à l'hôpital, il a difficulté de trouver une place, eh bien, il va tout simplement se comporter d'une manière violente à l'égard. Je tiens à saluer tous mes collègues, justement, qui sont au premier rang, médecins, paramédicaux, pharmaciens, pour faire face à cette pandémie. Quand même, on mérite plus, on ne mérite pas que... Il faut que les gens nous respectent, il faut que les gens nous aident à faire face à cette crise sanitaire qui maintenant nous sommes au quatrième mois. Mais vous avez déclaré tout à l'heure qu'avec le début de l'été et des grandes chaleurs, il faut être encore beaucoup plus vigilant, notamment pour les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables atteintes de maladies chroniques. Pourquoi particulièrement avec le début des chaleurs et avec le début un peu de l'été? C'est connu, les grandes chaleurs provoquent des déshydratations. Donc toute déshydratation va entraîner des perturbations métaboliques, hémodynamiques sur la personne atteinte. Donc c'est des personnes qui nécessitent des soins. Donc du fait, il y a aussi un risque infectieux très élevé. Et ce virus, lorsqu'il touche l'être humain, qui est vulnérable, déshydraté, donc il y a sa virulence, elle est multipliée, il devient encore plus nocif pour la santé du citoyen, donc l'infection s'installe, et bien ça va donner une détresse respiratoire, qui dit détresse respiratoire, nécessite des soins de haut niveau. Et là, croyez-moi, d'autres facteurs qui sont en train de se rajouter. Nous aussi, nous sommes des humains. Le personnel de la santé, c'est la période aussi des vacances, la période de l'été, des conditions difficiles. Et là, chaque malade, ces cas-là nécessitent, dans les normes internationales, chaque patient nécessite deux aides-soignants et un infirmier. Ce qui n'est pas le cas. Il nous est difficile, et c'est un personnel qualifié. À maintes fois, on a expliqué à nos collègues que c'est vrai, nous avons des respirateurs, nous avons des lits de réanimation en quantité... en norme, mais on a un manque d'effectifs en main-d'œuvre spécialisée. Mais quand vous dites qu'il faut être prudent et vigilant pour ces personnes, notamment les personnes âgées et vulnérables, qu'est-ce qu'il faudrait ne pas sortir pendant cette période? Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'il fait très très chaud, il est strictement interdit de sortir pour les personnes âgées, de s'exposer ou bien faire des efforts
durant ces périodes-là. Durant la période de l'été, il faut strictement interdire, je passe mon temps derrière ma mère, elle lui dit, écoutez, il ne faut pas y aller aux enterrements, il ne faut pas aller aux petites fêtes organisées, parce que le risque infectieux est très, très, très élevé. Mais vous dites qu'il faut être vigilant, pourtant ce qui est relevé au niveau, par exemple, du personnel médical, qu'actuellement, le virus, c'est la forme la plus bénigne. C'est le cas modéré. Avant, on avait des cas compliqués. Par exemple, hier, au CHU Mistral, on a eu 62 cas. Sur les 62 cas, on n'a hospitalisé que 4. Mais on a évacué quand même 3. 3. Le reste, c'est des formes modérées. C'est des lésions à 10%. Mais ça reste une personne contaminante. C'est-à-dire les autres cas, les 48 cas qu'on est en train de traiter de suivre à titre ambulatoire, on leur dit, s'il vous plaît, il faut respecter les règles de confinement. Il est strictement interdit de sortir dehors. Il est strictement interdit d'enlever la bavette. Il faut strictement interdit de recevoir des gens. Et là, donc 48 chaque jour pour le CHU Mustapha, entre 40 à 48, le risque de contamination va entretenir justement cette pandémie, et on a peur d'arriver jusqu'à la période de l'hiver. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation des chiffres, est-ce qu'on pourrait envisager éventuellement, et les capacités bien sûr mises en place par les autorités algériennes pour le dépistage, augmenter le nombre de dépistages dès qu'il y a par exemple apparition d'un cas dans un endroit quelconque, dans un lieu de travail, ou dans un foyer, ou dans un hôpital, ou une structure autre, par exemple Dépister, c'est bien, mais il faut que l'on revienne toujours au comportement de l'humain. Même si on va dépister sur au niveau de votre institution, on fait un dépistage, et ben on va dépister les porteurs sains. Ces porteurs sains, il faut les mettre au confinement. Donc vous allez réduire vos capacités de fonctionnement. En plus, avec un ensemble d'aléas du fonctionnement de différents secteurs. Il n'y a pas mieux que l'humain respecte les mesures barrières. Un comportement, je vous dis maintenant, celui qui ne porte pas de bavette pour moi, on dirait que c'est une ivresse sur la voie publique. C'est une conduite, c'est une atteinte à l'ordre public. Et tout le monde se plaint. Si je suis avec quelqu'un sur la voie publique, dans un bus, sur la route, je suis en face de lui, il ne porte pas de bavette, en plus juste de sur quoi parfois il fume, c'est un comportement dangereux pour la santé publique. Alors, professeur Rachid Belhadj, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects par rapport à la question de la prévention et la vigilance de la population par rapport à la propagation du virus du Covid. Est-ce qu'on pourrait penser éventuellement, avec bien sûr les statistiques qui sont fournies à travers certaines localités, celles qui sont touchées et les moins touchées, faut-il aller vers le confinement partiel de certaines localités par rapport à d'autres? Est-ce que, par exemple, les Wallis devraient envisager ce type de disposition de telle sorte à prévenir la population? Est-ce que ça propagation est inutile, puis elle est de toute façon, elle pourrait être faite et ça pourrait être inutile, un confinement partiel. Par exemple, si on prend des chiffres et des statistiques maintenant, qui connaît une recrudescence, si on prend par exemple Sétif, il y a quelques jours également une recrudescence, faut-il aller vers un confinement partiel au niveau de certaines localités? Justement, dans les mesures universelles, face à une pandémie, il faut rechercher le foyer. Le foyer, là, il y a plus le nombre, c'est le foyer actif, il toujours contamine. On nous envoie chaque jour des dizaines de patients. Maintenant, c'est vrai, il faut y aller vers des mesures particulières. C'est-à-dire, peut-on confiner une daïra, confiner un quartier. Là, ça va être un petit peu difficile, mais si l'État est obligé de le faire, et il faut le faire. Il faut le faire, mais il faut gérer. Il y a les mesures d'accompagnement. Lorsqu'on confine toute une daïra, il faut leur donner tous les moyens possibles. Il faut les informer, les préparer, les assister sur tous les plans. Donc il y a cette difficulté de nos temps. Depuis l'indépendance, on n'a pas vécu cela. On n'a pas vécu qu'un quartier qui a été confiné. Donc il faut que la population des gens, cette population, n'en a pas vécu. La période du terrorisme, il y avait le couvre-feu, etc. Donc ce phénomène social, il faut ramener vraiment des spécialistes, il faut se préparer pour prendre de telles mesures. On ne peut pas prendre des mesures comme ça, confiner du jour au lendemain, tout un quartier, toute une daïra. Il faut se préparer pour mieux gérer cette situation très très particulière. Ou fermer par exemple des espaces de grande affluence, par exemple les marchés hebdomadaires, les marchés de bestiaux. Est-ce qu'il faudrait peut-être prendre ce type de disposition de telle sorte à éviter une plus large contamination? Ça a été déjà fait. Oui, ça a été déjà fait. Et même nous ont sollicité de dire, écoutez, les gens, il y a maintenant un problème économique, il faut que les gens
puissent travailler. Puissent travailler pour se nourrir leur famille, etc. Il y a le feu. On s'est dit oui, mais à condition que les commerçants et les clients respectent les mesures barrières, ce qui n'a pas été fait. Donc on revient toujours à ce qu'on appelle un comportement antisocial, un comportement qui touche à l'ordre public. Je regrette, c'est un commerçant. Il faut maintenant, chaque secteur commence à s'y vivre et de suivre. C'est comme quelqu'un qui conduit à 220 à l'heure, vous le verbalisez, et si vous ne faites rien avec lui, si vous n'allez pas en crescendo, il va encore refaire la même infraction. Idem pour la bavette. Les gens ne sont pas conscients d'entendre des gens de parler, de vous tenir un discours religieux, quelqu'un qui ne croit pas du tout que ce virus existe, que c'est une campagne, etc. On est dans une autre dimension. Pour nous, professionnels de la santé, du secteur public et du privé, il faut quand même que les gens nous aident. Nous sommes en phase d'épuisement. Il y a une liste d'épuisement professionnel. Ceux qui gèrent la santé, les intervenants directs ou indirects face à cette pandémie, c'est des êtres humains aussi. Ils ont leur famille. Donc il faut que nous demandons encore une fois que les gens nous aident, nous comprennent par une conduite saine, une conduite comme tout citoyen. Mais si aujourd'hui la population, par exemple, par endroit, comme Sétif, ce fut le cas, ça a été dénoncé, on a vu les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, vous avez Batna, vous avez Sétif, vous avez même Blida au niveau de Boufarik, ont réussi à organiser des fêtes de mariage ou des fêtes de fin d'année pour, bien sûr, leurs enfants qui ont obtenu le BEM. Est-ce qu'on peut considérer que, partons de ces données, de ce qui est relevé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que les responsables locaux ont failli dans le respect des mesures barrières. Puisque c'est des fêtes, on entend la fête, on voit les feux d'artifice, on entend les barreaux, donc on peut quand même intervenir sur les lieux. Bien sûr. À titre d'exemple, je vois par exemple devant un fleuriste, il y a un véhicule qui est en train de préparer. Il y a quelque chose, je vais aller à la source. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais il peut prendre sa mariée sans faire de fête. C'est rare. C'est justement le problème est là. Nous, on a toujours fêté en masse nos victoires comme nos deuils. C'est notre culture. Nous avons toujours organisé les choses, tous les événements en masse. Et justement, tout regroupement présente un danger public. Il faut que les gens comprennent cela. Soit en deuil, ou bien pour fêter quelque chose, le regroupement de plusieurs personnes, plus de 10 personnes. Une fête pourrait se transformer aussi en deuil. Exact. Et ça s'est déjà fait, ça a été déjà constaté, vécu malheureusement et de manière récurrente. De manière récurrente, est-ce que maintenant l'humain ne va réagir que face à la mort? Est-ce qu'il voit que quelqu'un, c'est-à-dire les chiffres, les cas modérés, ça ne le fait pas peur? Il faut développer encore une fois et continuer à développer une politique de sensibilisation. Je reviens, il faut que les autres secteurs appliquent justement strictement. La réglementation en vigueur. Quelqu'un qui organise une fête, il invite 300 personnes, c'est la mise en danger de la vie d'autres personnes. C'est la mise en danger de toute une économie. C'est la mise en danger de la vie des citoyens algériens. C'est la mise en danger des personnes vulnérables, des insuffisants rénaux, des insuffisants respiratoires, des personnes qui ont une comorbidité. Vous n'avez pas le droit quand même de mettre en danger par n'importe quel comportement la vie d'un être humain. Alors, professeur Rachid Belhadj, moi je voudrais revenir avec vous sur cette recrudescence, mais ce qu'on est en train d'observer, c'est que c'est une recrudescence pratiquement mondiale. Même au niveau de la Chine, il y a une augmentation de nombre de contaminations par foyer, par endroit. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce qu'on peut considérer qu'on connaît un peu plus ce virus? On ne le connaît pas encore totalement. Croyez-moi, donc, ce CHU depuis le 21 mars, depuis le premier cas à Rahmo, le médecin du pays de Calitus, se disait un mois, deux mois. On se disait qu'on était sur une courbe, un plateau. On attendait tous que cette courbe descendait doucement. On a même été annoncé. Mais après, quand même, il y a eu une hausse avec un autre plateau. Dans l'histoire de la deuxième vague, est-ce que c'est on est dans la deuxième vague ou pas? Est-ce que c'est la deuxième vague, j'allais vous poser? Son chiffre chez nous, oui. On est en deuxième vague, mais en deuxième vague, c'est-à-dire le virus n'est pas aussi virulent. Mais on est en deuxième vague dans une situation différente. Le mois de mars, avec le mois de juin, les conditions climatiques, les conditions justement sociales, elles sont complètement différentes. Chez nous, la symbolique, le juin, c'est l'été, c'est les fêtes, c'est les, je l'ai dit,
Chez nous, durant le mois de juin, juillet, août, c'est le déplacement en masse, des personnes vivant au sud ou dans les hauts plateaux vers le nord, qui va encore compliquer la situation. On risque de transporter vers l'extrême sud, des régions qui sont aujourd'hui pratiquement épargnées par le virus. Par un phénomène socio-économique, par plusieurs paramètres, on risque aussi de contaminer. Je vous ai dit, City Fibertin commence à connaître la pandémie. Et qu'en est-il si on va y aller encore vers les grandes villes du Sud? Mais si on parle de City Fibertin, est-ce qu'on peut considérer, s'ils connaissent aujourd'hui leur pandémie, ils sont dans une situation similaire qu'avaient connue au début de la pandémie Blida et Alger? Exact. Est-ce qu'on pourrait aller vers le confinement de ces deux wilayas? Bien sûr. Est-ce qu'elle pourrait être, si ça pourrait être en vie? Si le nombre de décès augmente, si l'indicateur c'est les décès, c'est le pas les décès, contaminations. Le nombre de décès, si le nombre de décès augmente, si le nombre, ça déguise en leur structure de soins intensifs sont saturés, les structures hospitalières seront dans l'obligation d'aller vers un autre confinement. Il n'y a pas d'autre solution. Mais quand vous dites, nous connaissons actuellement notre deuxième vague, qu'est-ce que vous entendez exactement par deuxième vague et particulièrement pendant cette période du mois de juin? Et vous dites aussi, par exemple, le virus, il a perdu un peu de sa charge virale. Est-ce que cela veut dire, si cette courbe d'augmentation continue, elle pourrait encore augmenter davantage vers la période de fraîcheur, c'est-à-dire mois de novembre, mois de décembre? La charge virale pourrait augmenter. On n'est pas à la charge virale, on est dans l'observation. En tant que scientifique, nous sommes en train d'observer et de constater. Ce que nous avons observé, ce qui est sûr, c'est que le nombre de personnes contaminées a augmenté d'une manière significative. Maintenant, avec PCR ou sans PCR, c'est un autre débat. Mais nous traitons des gens. Sans PCR, quelqu'un qui a une lésion importante au niveau du scan avec une clinique, elle est là, on le traite, on le donne. Un traitement, donc c'est un cas qu'on comptabilise chez nous. Mais, c'est-à-dire, les nombres de décès au niveau des structures, il y a eu une petite augmentation, par exemple, à un, deux cas, on est arrivé à un certain moment qu'il n'y avait pas de décès. Le nombre de décès a nettement diminué. Mais, ce qui est une augmentation, sûrement, avec des facteurs, je vous ai dit, l'été, les personnes qui décompensent, le nombre de décès augmentera en rapport, bien sûr, avec le virus. Donc, la virulence du virus, elle sera plus frappante lorsqu'il y a un nombre de décès plus élevé. Mais la contamination est là. Le virus, soit au mois de mars ou au mois de juin, il continue à faire son chemin en augmentant justement le nombre de contaminations de jour en jour, de wilaya en wilaya. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'expérience qu'on a vécue depuis le mois de mars à ce jour, bien sûr avec l'apport un peu de nos scientifiques, le comité scientifique et technique, nous avons aussi nos professeurs qui sont au niveau, par exemple, de tous les CHU à travers le pays, avec bien sûr leur mobilisation depuis le début de cette pandémie mondiale, on connaît un peu plus le virus ou pas du tout, puisque les Chinois disent avoir testé certains traitements qui pourraient être efficaces contre le Covid-19. Ça, c'est des données mondiales. Vous avez suivi le grand débat sur la chloroquine, etc. En milieu universitaire, hospitalier, c'est des phénomènes connus. Lorsqu'un pays présente un médicament, un vaccin, c'est connu au stade de débat, pas au stade de la réalisation, du défi réel. Mais nous, autant qu'hospitalier universitaire, autant au niveau des CHU, nous sommes entendus à dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours continuer, même si cette pandémie va durer. J'espère le collège 6 mois, et aussi on ne va pas sombrer dans l'alarmisme, on ne doit pas sombrer dans le chaos. Et il faut que les gens nous aident, et nos institutions nous aident à nous accompagner pour nous éviter le phénomène de relâchement dû à l'épuisement professionnel. Il faut mettre tous les moyens aux intervenants. Donc il y a le volet prise en charge médicale et le volet comportement du citoyen qui est là, c'est-à-dire entre les deux, et bien sûr les autres secteurs. Sont là, ils doivent intervenir, nous aider à stricte application de la loi. Ouais, les présidents d'APC, les services de sécurité doivent veiller
à appliquer au strict respect de la réglementation, ce qui a été déclaré hier par le chef du gouvernement. Et bien sûr, les bavettes maintenant sont obligatoires, même à bord de votre véhicule, que le citoyen le sache, sinon ça sera des amendes équivalentes à 10 000 dinars qui vont être appliquées. Alors, quand on parlait un peu, de connaître un peu plus le virus aujourd'hui, on parlait au début d'un virus qui attaquait carrément le système respiratoire. Or qu'aujourd'hui, on découvre que le virus attaque carrément le système immunitaire. Est-ce qu'on peut considérer qu'on le connaît un peu mieux, ou alors il mute à chaque situation, il s'attaque différemment, puisque par exemple en France on dit que c'est pas le même virus qui existait en Chine, en Algérie on est en train de dire que c'est pas pratiquement le même virus qui a existé en Chine, avec les experts chinois qui sont venus en Algérie. Pour le virus, hein, c'est connu, c'est un virus qui a été importé de France et de la Haute-Savoie. Il nous est venu de France. De France, hein, c'est des choses. C'est pas le même que celui qui existe en Chine. Exactement, et c'est pas le même qui existe en Espagne. Donc il y a des mutations, sont connues, mais je vous ai dit. C'est comme l'histoire, il y a des théories. On parle même d'une bactérie. On parle de problèmes de coagulation. C'est un tableau, le virus, il touche un ensemble. Et qui a été fabriqué dans un laboratoire. Et il y a beaucoup de choses, donc en science, pour le moment, c'est une période courte. On est à 6 mois depuis le décembre jusqu'à maintenant, c'est 6 mois. C'est 6 mois face à cette pandémie. Pour les scientifiques, même pour les essais, c'est une phase courte pour pouvoir se prononcer sur sa virulence, sur sa mutation réelle, son déplacement, et aussi sur l'éventualité, j'espère, que les scientifiques arriveront à trouver un vaccin. Le meilleur traitement, c'est le vaccin. Alors, en attendant, il y a bien sûr le traitement à la chloroquine. Professeur Rachid Belhadj, vous avez déclaré, en fait, et vous avez cette question de l'auditeur, que vous avez déclaré au début de cette émission, qu'à l'hôpital Mustapha, hier, vous aviez recensé 64 cas, alors que la commission avait annoncé 14 cas pour Alger. Comment on peut l'expliquer, voilà, ce décalage toujours, par rapport à des... C'est toujours l'éternel problème de... Au niveau du ministère, c'est qu'ils donnent les cas suite à des résultats de la PCR de l'Institut Pasteur. Nous, on donne, on pratique les PCR chez nous, ça, on attend 24 heures pour avoir le résultat, mais on traite, nous on déclare des cas qu'on traite sans PCR. Et ça reste toujours un chiffre noir. Tous les états, jamais un état pourra vous donner avec des chiffres exacts. Les chiffres actuels, c'est des chiffres noirs, il y a des phénomènes qui nous échappent aussi, qui meurent chez eux. Il y a des gens qui sont infectés, qui restent chez eux. Ça reste un chiffre noir. Il y a ceux qui ont le virus, qui ne le déclarent pas. Exactement. C'est devenu comme le sida, on craint d'aller à l'hôpital pour le parler. J'ai vécu cela. Et au quotidien, mes collègues vivent ça. Des gens qui vous donnent de fausses déclarations. Lui-même qui est contaminé, il ne le dit pas. Il ramène sa femme, lui-même qui est sous traitement, il ne le dit pas. Donc nous demandons encore un comportement civilisé des citoyens. De dire que de dire la vérité. Enfin, nous aider pour éviter de contaminer notre personnel. Ses collègues, ses amis de travail, exactement. Son entourage immédiat, au niveau des marchés par exemple. Donc ce qui explique, c'est la différence entre les chiffres déclarés par le ministère de la Santé et les chiffres déclarés par les hôpitaux. Les hôpitaux ont un CHU, nous sommes en contact, et bien les chiffres sont très loin. Alors, autre question, combien de tests jour fait notre pays et quel type de tests on applique et qui sont les plus fiables aujourd'hui, professeur Rachid Belhadj? Les plus fiables, c'est la PCR, pour que les choses soient claires. Le diagnostic, ce virus, il est là ou pas, et même parfois... La radiologie, le scanner, ça dépend des lésions. Il y a parfois des lésions très importantes, les débats, les situations entre les lésions minimes. Moins de 10%, toute inflammation, tout processus inflammatoire aigu peut donner ces images-là. Mais devant des cas avec des lésions 70%, il y a des lésions spécifiques. On n'attend pas la PCR. On les prend en charge. Mais le meilleur test, c'est la PCR. Autre question, puisqu'on est dans la sensibilisation, je voudrais savoir le risque d'attraper une deuxième fois le virus. Le conseil pour les personnes guéries, par exemple. Les personnes qui ne baissent pas les bras. Ils vont pas décider. On peut avoir contaminé une seconde fois. Justement, ce n'est pas une maladie immunisante. Par exemple, la rougeole, si vous attrapez la rougeole une fois dans votre vie, ça vous l'avez pas eu sur votre vie. Mais ce n'est pas une maladie immunisante, le problème il est là. Si vous avez les anticorps, les antigènes sont là, mais si vous êtes les signes cliniques disparaissent, au bout de 2 mois, 3 mois, vous pouvez être réinfecté une deuxième fois par un autre virus.
Alors, vous avez cette question récurrente qui revient souvent par rapport aux chiffres qui sont communiqués officiellement par le comité des scientifiques. Beaucoup pensent que les chiffres communiqués sur les cas de contamination et décès sont douteux aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Puisque vous avez dit précédemment, quand je vous avais reçu, on prélève même les personnes décédées aujourd'hui. C'est-à-dire douteux, c'est trop fort, pour dire de l'honnêteté quand même scientifique. Mes collègues qui sont au niveau de conseil des professeurs comme nous, ils essaient de tout faire. Mais je vous ai dit le chiffre noir. Pour avoir une politique de chiffres, on l'a dit, à maintes reprises, il faut informatiser tout notre système de santé, soit du secteur public ou du secteur privé. Mais ce que nous avons constaté, je le dis, que hier à Mustapha, nous avons eu quand même 62 nouveaux cas qu'on a traités. Je ne veux pas déclarer qu'un cas qui n'est pas Covid+, je ne veux pas donner un traitement à quelqu'un qui n'est pas Covid+, à partir bien sûr d'un algorithme. Il y a la clinique qui est là, la radiologie qui est là, la biologie qui est là, la notion de contact qui est là, et bien on le prend en charge. Alors, est-ce qu'on, aujourd'hui, autre question de l'auditeur qui vous dit, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que le traitement à la chloroquine, avec toute la polémique que ça a suscité à travers le monde, et on a vu aujourd'hui même l'OMS qui s'est décrédibilisé en arrêtant les essais techniques, en reprenant les essais techniques, est-ce qu'on peut considérer qu'il donne des résultats fiables, certains doute encore. Aujourd'hui, nous avons un conseil scientifique du CHU Mustapha et nous allons présenter le travail qui a été fait au CHU Mustapha depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, nous avons donné 2088 traitements. C'est des chiffres donnés par la pharmacienne, c'est des avec preuves qu'on a données aux citoyens que nous sommes en train de les suivre. Certains ont été hospitalisés, certains ont été suivis à titre ambulatoire. Eh bien, pour le moment, je parle de CHU Mustapha, nous n'avons recensé aucun décès signalé de mort subite en rapport avec la prise de la chloroquine ou l'azithromycine. Ça, c'est notre observation. Pour le moment, nous n'avons personne n'est venu se plaindre ou de signaler qu'on croit, voilà, tel patient a été traité par la chloroquine, il y a eu tel effet secondaire. Il y a des effets secondaires minimes connus, mais décès, c'est des événements graves. Nous jugeons, nous, que le traitement, la chloroquine, ça nous a arrangé et nous a énormément aidé. Et vous pouvez l'affirmer avec précision, puisque vous êtes déjà médecin légiste et vous prélevez même les cadavres. Alors, professeur Belhadj, moi je voudrais revenir avec vous. Vous avez parlé de la mobilisation du personnel médical depuis le début, bien sûr, de cette pandémie. Je ne parle pas seulement du personnel médical, mais du personnel soignant dans toute sa globalité. Vous considérez que le personnel de santé aujourd'hui paye l'échec du système et de la société. Vous dites que les hôpitaux représente un peu la Mecque de tous les Algériens en matière de santé, avec ses 48 services hospitaliers universitaires. Il devrait dispenser que des soins tertiaires, or qu'il s'occupe de tout. Est-ce que c'est parce que le privé ne s'est pas imposé comme il aurait dû le faire? Autant que praticien hospitalier depuis longtemps, nous avons soulevé les problèmes d'un système de santé, la catastrophe de la loi sanitaire. D'abord, je tiens à préciser, tous les acteurs de la santé, soit personnel soignant ou paramédical et technique aussi, des ambulanciers, des laboratoires, oui, participent, soit du secteur privé ou public, nous avons une certaine complémentarité. Et loin de nous, on chiffre par exemple, le nombre de consultations au privé dépasse de loin le nombre de consultations au public. Il faut bien le dire. Et je l'ai dit bien dit au début, que le secteur privé nous aide énormément, il ne faut pas qu'il ferme leur cabinet, il y a une synergie. Les mêmes problèmes vécus par mes collègues spécialistes, généralistes, ou paramédicales, hospitaliers universitaires, c'est presque, nous sommes toujours dans la même tourmente. On l'a soulevé à maintes reprises, même avant cette pandémie, les conditions socio-professionnelles, un système de santé généreux certes, mais qui a été fait sur le dos du personnel de la santé. Nous souffrons énormément. Je vous ai dit en nombre de réanimations, en nombre de lits de réanimation, vous ne pouvez pas, par exemple, quelqu'un qui, face au Covid, en soins intensifs, vous lui donner un salaire de 28 000 dinars. C'est qu'il faut revaloriser, revoir ce que nous avons réclamé toujours, la fonction publique hospitalière.
Ça, c'est le syndicaliste qui parle. Alors, autre question de l'auditeur. Du moment que le secteur public est dépassé, pourquoi ne pas réquisitionner les cliniques privées ou solliciter les moyens de l'ANP? C'est envisagé si, bien sûr, la pandémie devait prendre plus grande ampleur. Justement, même le président l'avait dit, même le secteur privé. Nous n'avons pas des hôpitaux privés. Parce que prendre en charge un corona en réanimation, ce n'est pas une petite clinique. Il lui faut du personnel. Et je le dis, souvent le personnel du secteur privé puisse du secteur public. C'est connu, la main-d'œuvre spécialisée est liée au public. Donc, il faut que, c'est vrai, il y a des cliniques, je ne vais pas faire la publicité, j'ai oublié que, aussi, nous avons bien un secteur très important, la solidarité nationale. Beaucoup d'entreprises nous ont aidés, notamment les grandes entreprises, nous ont assistés, tel que je vous permettais, Sonatrach, Sonarkaz, SSA, Naftal, beaucoup d'entreprises nous ont aidés dans la solidarité nationale pour faire face aux moyens de protection individuelle. Sans la solidarité nationale, croyez-moi, on n'aurait pas pu faire face au quotidien. Et 24 sur 24, je vous parle, c'est que l'activité de santé ne s'arrête pas à 16 heures. Nous travaillons 24 sur 24. Hier, à 2 heures du matin, transfert de malades de l'intérieur du pays, nous sommes obligés de faire face. Avec des sujets vraiment lourds. Quelqu'un qui est amputé, une gangrène, Covid+, il faut le gérer. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, par exemple, pour certaines personnes contaminées qui se sont présentées au niveau des hôpitaux, on leur dispense le médicament et on leur dit « rentrez chez vous pour vous confiner, ne sortez pas et soignez-vous chez vous ». Comment on peut les suivre? C'est intéressant. Si, on le suit, nous avons une cellule. Je peux vous donner des chiffres. Nous sommes en train, Mustapha, de suivre 1500 personnes par téléphone. Nous avons une cellule de communication composée de médecins spécialistes. Vous déplacez sur les lieux également pour par téléphone, s'ils nécessitent un transfert, on leur prépare justement. Le transfert, eh bien, on reçoit des cas retour, on les réhospitalise, parce que le traitement, c'est des comprimés. La chloroquine, l'azithromycine, c'est un comprimé trois fois par jour pour la chloroquine, l'azithromycine, traitement de 4 jours, il n'y a rien. On ne va pas mobiliser un lit quand même pour prendre des comprimés. Là, il y a le problème des personnes qui ne sont pas autonomes. Le gérant, vous imaginez, quelqu'un a un AVC, il a un corona, il faut d'autres personnes avec lui. Et il faut faire des soins de nursing qui ne posent problème. Des sujets qui sont atteints de maladies mentales, de maladies neurologiques, des cas déments, comment les prendre en charge? C'est ça la réalité du terrain. Alors, autre question et la dernière. S'il y a par exemple un cas avéré en milieu professionnel, est-ce qu'il faut dépister tout le personnel? Nous sommes en train, au CHU Mustapha. Tous les travailleurs. Par exemple, chez Mustapha, s'il y a un cas avéré, tous les personnes contactent. C'est-à-dire les personnes contactent, il y a le niveau contact, ça dépend quel niveau. On ne voit pas si, par exemple... Un bureau devant un autre, par exemple. Un bureau devant un autre, il faut faire, justement, un dépistage. Un dépistage sérologique et un examen. Ça doit être systématique au niveau de toutes les entreprises. Il faut que le médecin, bien sûr, votre médecin de travail, il fasse son travail et il fait un interrogatoire, une fiche, et de signaler. Mais il faut que... Mais le médecin de travail ne doit pas se contenter seulement de vous prélever la température. Un examen, un interrogatoire, un examen. Pour d'essayer d'abord, la priorité elle est aux personnes, ce qu'on appelle vulnérables, les diabétiques, les hypertendus, les asthmatiques, c'est des gens qu'il faut faire attention, un interrogatoire, un examen complet. En plus, ça rassure et ça évite un peu, bien sûr, des situations par exemple, de panique en milieu professionnel. Professeur Rachid Belhadi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci pour l'invitation. Prends rétablissement à tous les Algériens.